Salut les amis, c'est Tsuzaku d'Argus Phoenix et oui, vous vous demandez mais pourquoi je n'ai pas parlé au bout de 4 minutes? Enfin, je me suis dit, pour cet épisode, pour le premier épisode de ce Let's Play sur Kingdom Hearts 3 qui, ben, la série de Kingdom Hearts a maintenant 19 ans, depuis cette semaine, la série Kingdom Hearts a 19 ans. Et c'est un moment assez important pour la série et surtout pour moi, puisque c'est le moment où nous allons commencer Kingdom Hearts 3 et son DLC Remind qui arrivera à la fin de Kingdom Hearts 3. Donc, faut savoir que maintenant Kingdom Hearts 3 a 2 ans. Il est sorti en 2019, début 2019. Le jeu a déjà 2 ans devant lui. Le DLC a 1 an quant à lui. Donc vous voyez, et surtout l'année 2021 est l'année où Kingdom Hearts Union Cross se termine. On ne sait pas ce que va devenir donc Dark Road. Est-ce qu'ils vont l'implémenter plus tard, mais normalement le jeu est censé revenir sur mobile avec un mode offline. Donc, on ne sait pas encore comment ça va se passer pour la suite de la série, mais en tout cas, 2021 est une année un peu de transition pour Kingdom Hearts. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de Kingdom Hearts cette année, de prévu. Mais en tout cas, toute la série Kingdom Hearts du 1 jusqu'au 3 est maintenant disponible sur Epic Games, sur PC, donc si vous ne les avez pas fait, allez-y. Si vous voulez avoir un avis sur la série Kingdom Hearts, je vous conseille les let's play, hein, c'est pas de la pub, mais si vous voulez avoir un aperçu de Kingdom Hearts et vous voulez le découvrir de votre côté, je vous conseille soit d'acheter la compile sur Xbox ou PS4 ou PC, vous avez l'embarras du choix. Donc, comme d'hab, si vous êtes là pour ce Kingdom Hearts 3, vous êtes là pour l'épisode 1. Vous avez vu l'épisode 0 qui était vraiment un épisode où je parlais de comment va aller se passer ce let's play. Et vous savez exactement j'ai envie de finir un peu toute la saga de Chercheur des Ténèbres avec la Keyblade Ultima. Ça prendra beaucoup de temps, puisque je vais faire pas mal de choses en off. Ouais, pas mal, il y en a beaucoup. Et surtout en mode critique, où il y a une petite particularité, mais on y reviendra plus tard. Contrairement à Kingdom Hearts 2 ou les autres. C'est vraiment une petite particularité. Ils ont été un peu plus gentils avec Kingdom Hearts 3 par rapport à 0.2. Mais bref. Donc, on va commencer une nouvelle partie, il y a des spécificités dont je vais parler après, quand on sera sur la période tuto, didacticiel. Et comme j'ai déjà fait Kingdom Hearts 3, c'est la troisième fois que je le fais. Quelle coïncidence. C'est la troisième fois que je fais ce Kingdom Hearts 3 dans son intégralité. Sachant que j'ai fait Remind, mais je ne suis pas allé plus loin dans le contenu de Remind, parce que je sais qu'il y a d'autres choses qui m'attendent et je voulais le garder pour la chaîne, parce que ça va être sacrément coriace pour moi, des moments de rage, voilà. Bref, on va commencer ce Kingdom Hearts 3. Ça me dit si je veux utiliser mes données de fin qui existent, donc j'ai récupéré le Keyblade et les selfies, mais ça on s'en fout. Je ne le ferai pas, parce que je vais vous faire découvrir justement la série Kingdom Hearts comme s'il n'y avait rien. À part une chose, faut savoir que comme je jouais aussi à Union Cross, avant la sortie du jeu, ils avaient mis des petits mini-jeux qui nous permettaient d'avoir une Keyblade de Union Cross qu'on pouvait télécharger avec via un code sur Kingdom Hearts 3. Et cette Keyblade est aussi obtenable in-game si on n'avait pas joué à Union Cross. Voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire, mais on l'aura dès le début du jeu. Et si je dis pas de conneries. Bref. Donc, non, je ne vais pas récupérer ces éléments. On passe en mode critique, extrême, où vos talents sont mis à rude épreuve. Ouais, ça va être sacrément corsé, puisque je sais qu'il y a pas mal de passages où je vais galérer. Et surtout, sachez que vous l'entendez un peu faiblement par rapport au précédent Let's Play. Monsieur, je crois que c'est le premier Kingdom Hearts où, en tout cas sur console, où on a la possibilité de baisser le volume du jeu. Donc là, je crois que je dois être à 3, entre 3 et 5. Je me souviens plus à combien je l'ai baissé. Monsieur, quand j'avais tourné l'épisode 0 en janvier, hein, j'ai trouvé le son était encore un peu trop fort dans mes oreilles. Et donc, je l'ai baissé un peu plus pour que ça soit plus agréable pour moi et pour vous. Et donc voilà, donc on va partir sur le jeu en mode critique. J'arrête de blablater. On se retrouve juste après. Et bah, let's go. Alors, la luminosité, non, c'est parfait. On ne touche pas. C'est parti. Have you heard of the ancient Keyblade War? Huh? Of course I have. Long ago, Keyblade wielders waged a war over the ownership of light. Yeah, the Master's favorite story. I wonder what they planned on doing with Kingdom Hearts after making it appear. Who knows? I don't get why anyone would initiate a war. So, you know the Lost Masters? Who? They're the ones who started the Keyblade War. Never heard of them. Where'd you hear about that? Or, they're the ones for whom the war started. I'm not following you. You can drop the facade. Facade? On that land shall darkness prevail and light expire. A prospective Keyblade master should know this. If you say so. The gazing eye sees the fate of the world. The future. It's already been written. Really? I'm not so sure about that. Besides, who's to say I can't change it? And maybe light will prevail. Pretty confident. But things aren't in your favor. Perhaps, but unlike darkness, there's more light than meets the eye. You might be surprised.
Oh, I hope so. They can take your world. They can take your heart. Cut you loose from all you know. But if it's your fate, then every step forward will always be a step closer to home. Thank you.
Il y a 7 cœurs à sauver. Ok, donc je me suis permis de parler parce que c'est le moment où, comme dans chaque Kingdom Hearts, que ce soit le 1 ou le 2, c'est un épisode numéroté 1, on atterrit pour définir un peu ses stats. Et surtout vous, alors je ne sais pas quand est-ce que sortira la vidéo, et donc quand vous la verrez, je ne sais pas s'il y aura toujours l'opening, enfin la musique officielle de Kingdom Hearts 3 qui est Face My Fear par Utada Hikaru et Skrillex. Donc s'il y a toujours, tant mieux, s'il n'y a pas, bah, je vous ai donné le nom et si vous voulez aller l'écouter, allez-y. Je mettrai le nom du titre en description. Mais s'il y a, tant mieux. J'espère juste que ça sera pas bloqué ou quoi que ce soit. Hein. Faudra que je regarde. Donc, inclinez légèrement le joystick gauche pour marcher au plus fort ou plus fort pour courir. Et la caméra pour la déplacer autour de Sora, puisque je rappelle, Kingdom Hearts 3 tourne sur Unreal Engine et donc c'est le deuxième épisode plutôt qui est comme ça. Rond pour sauter, hop, rond pour sauter, on marche comme ça, on court comme ça. Voilà, et la caméra. Voilà, ok. Allez, approchez-vous du miroir. Lorsqu'une commande contextuelle verte s'affiche au-dessus de la liste des commandes, vous pouvez appuyer sur triangle pour réaliser une action spéciale. En gros, ce Kingdom Hearts 3 va reprendre beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit du premier épisode, ou enfin du deuxième épisode, du premier, pas mal de choses qui sont arrivées avec, par exemple, Bird by Sleep ou Dream Drop Distance, mais je n'en dis pas plus. Ah. Avec une petite nouveauté aussi que je peux soit désactiver, soit activer, mais que je garderai activé pour vous montrer à quoi ça ressemble, hein, le mode critique avec. Je sens ça va drastiquement changer le gameplay du jeu. Donc il faut savoir aussi que Kingdom Hearts 3, quand c'est sorti, il n'y avait pas le mode critique. Le mode critique est arrivé un an plus tard, soit avec le DLC Remind. Et juste pour l'intro, la salle, au moment où on va définir nos stats, dans Kingdom Hearts 3, si je dis pas de bêtises, il y avait deux paliers. Mais ils en ont rajouté un troisième qui est assez spécifique à Remind. Donc voilà. Ah, donc voilà de l'autre côté. Hein. Donc premier choix. Et je dis pas de conneries. On voit les souvenirs un peu de Sora. Dans ce palier de l'éveil. Alors Riku, le combat contre Ansem Riku. Au moment de sceller Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 1. Et au moment où Sora rencontre Donald et Dingo à la ville de Traverse. Alors, qu'est-ce qu'il va me proposer? Que désires-tu? Me proposer un truc de merde, mais bon. Choisir la sagesse. Choisir la vigueur. Et choisir l'équilibre. Alors, hein. Comme chaque Kingdom Hearts. Si je dis pas de bêtises, la sagesse, c'était...
La magie. La vigueur, j'ai un doute. Est-ce que c'est l'attaque ou la défense? J'aurais dit la défense. Et l'équilibre, c'est un peu le mélange des deux. Alors, quoi choisir? Qu'est-ce que je peux choisir? Alors, si je me souviens bien, j'avais pris la vigueur à chaque fois. Ou l'équilibre, j'ai toujours un doute. J'ai toujours un doute sur ce truc. Ça demande un petit peu de réflexion, hein. Ça fait un moment que j'ai pas touché à Kingdom Hearts 3 et je sais plus ce que j'ai pris la toute première fois, la deuxième fois que j'ai fait le mode critique. Enfin, la première fois que j'ai fait le mode critique. Mais il me semble que j'avais pris la vigueur. Donc, je crois que c'est ça, la vigueur, c'est pour avoir plus de vie. Mais avec, bon, on va dire avec le mode critique, il y a plein de changements qu'ils ont fait par rapport aux deux et ça va être un enfer, je pense. Donc si j'y pense bien, vu qu'on a vu comment c'était cinématique, quand on l'a vu. Ça c'est magie. Ça on va dire vu la posture de Sora, on dirait je dirais la défense, si je dis pas de conneries. Et là c'est un peu l'entre-deux vu que Dingo représente un peu la défense et Donald représente la magie. Allez la vigueur. Je sens que je vais me faire carotte, mais bon. La vigueur. Oui. Ou encore un petit peu plus solide. Mais je sais ce qui va m'arriver dans le jeu, et ça va être assez chiant et horrible. Alors, cette fois-ci, c'est quoi? Le combat contre Roxas. Là, je sais pas trop c'est quoi. La rencontre avec Namine, donc la promesse. En Chain of Memory. Et la fin de Kingdom Hearts Dream Drop Distance quand Sora retourne à. Dans le monde des rêves. Quel pouvoir recherches-tu? Oh, c'est. Oh, qu'est-ce que c'est que cette fois-ci? Le gardien, le guerrier ou le magicien, le mystique. Je me dirai jamais vers là. Vous l'aurez compris, que ce soit dans Kingdom Hearts 1 ou 2, je me dirai jamais vers la magie et pas le guerrier. Je vais juste regarder s'il dit déjà dès le guerrier, le pouvoir du guerrier, un courage invincible. Non. Le pouvoir du mystique, la force intérieure, non. Non, 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 non. Hein? Le jeu m'a assez appris avec 0.2. Hein? Je joue aussi avec tous les autres derrière. Donc ce sera le gardien. Comme d'hab. On ne change pas une équipe qui gagne. Le gardien, le pouvoir de l'esprit. J'ai oublié de le lire, mais bon, c'est pas grave. Mais ce sera le gardien. Et donc, normalement, hein, si on n'avait pas Remind, ça s'arrêtait là. Hein. On passait à l'étape suivante. Mais comme j'ai Remind, il va me proposer un troisième choix. Et ce troisième choix est lié à Remind, parce que ils ont implémenté un peu une nouvelle mécanique. Qui est assez
particulier. À ce particulier plutôt. Quel genre d'aventure recherches-tu? Voilà. En gros, il n'y avait pas ça. Si on n'a pas la DLC Rayman, on n'a pas ça. Mais vu que sur PC c'est sorti, je crois, avec Rayman, je ne suis pas sûr. Vous l'aurez, mais sur console, si vous avez que Kingdom Hearts 3 et pas le DLC, je pense que il le propose pas. Je ne sais pas comment ça se passe, mais il doit pas pouvoir le proposer. Alors, quel genre d'aventure recherchez-vous? Votre réponse déterminera votre style de jeu. Aventure classique, donc jouer sans le menu premium du DLC. Aventure simple, donc on joue avec des avantages. On pourra utiliser des avantages pour avoir de la régène auto, PV et magie. Pour profiter d'une expérience plus simple, ça nous intéresse pas. Et aventure complexe, on joue avec des handicaps. Donc, par exemple, on peut mettre sa défense à 0 ou se faire one shot, voilà. Dark Souls mode, peut-être. Hein. Même si ça se rapproche pas trop de Dark Souls, j'ai jamais essayé, donc... Mais c'est plus complexe. Et donc, nous, on va plus s'orienter vers le premier, parce que je vais vous montrer un peu l'aventure classique sans le DLC. Je sais plus c'est lequel. C'est toi, je crois. C'est... Oui, c'est lui. Ouais, c'est ça, c'est lui. C'est lui. Voilà. Aventure classique, suivre une voie familière et directe. Est-ce le genre d'aventure que vous cherchez? On peut faire voir la description, mais c'est ça. Oui. Est-ce là la personne que tu es? Oui. J'ai pas la peine de me poser tout le temps la même question, mais c'est pareil, hein. Quel que soit le Kingdom Hearts, mais bon. Cette scène ne vous a pas rappelé Kingdom Hearts 1? Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Ce paysage vide et... Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Et nuageux. Alors les combats attaquent comme d'hab, hein, croix. Pour attaquer et faire des combos, carré pour défendre, pour esquiver ou parer. On peut faire le tuto, hein, le dit tacticiel, et R1 pour... pour verrouiller l'ennemi et R2 pour switcher entre les ennemis. Ok. Donc là, on n'a pas de barre de magie. Hop. Ah bah non, 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 non. Commencez pas. Non, 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 non. Je voulais faire un truc bien, mais bon. Je sais que je commence mal. Pour un premier épisode. Ah super, en fait, je commence vraiment très très mal, en fait. Surtout que j'ai pas de soins ou quoi que ce soit. On va éviter. Donc vous voyez, on voit un Dark Side un peu. Yeah.
Allez. Ah non, je sais pas pourquoi j'ai voulu attaquer en fait. Bon, première mort. Faut toujours une première mort dans un Kingdom Hearts. On n'est pas dans le tuto, hein, je le rappelle. J'aurais pu cliquer sur triangle pour faire du tacticiel, mais on n'y est pas. Et il faudrait. Aïe, j'avais oublié. Bon, on a mis un peu de temps avant de commencer, mais c'est pas grave, hein. C'est les 35 premières minutes. Non, je plaisante. C'est les premières minutes du jeu, après le planning et tout. Alors, ça va être marrant. Donc, vous avez vu, on a plus repris la mécanique qu'on avait dans 0.2 quand on parait. On peut attaquer et parer derrière. Enfin, on part et il y a une commande pour attaquer. Alors, hop, ah merde. Pourquoi je suis déjà dans le mal? On fait un peu le tour. J'ai pas envie de me faire toucher par ça. Voilà. Et on a pris brasier et eau. C'est une nouvelle magie dans Kingdom Hearts. As-tu besoin d'être guidé? Aide-moi, bon. Non, ça c'est pour retourner dans le tuto, ça. Non, merci. Si vous êtes coincé, vous pouvez accéder au didacticiel à tout moment en sélectionnant didacticiel sur l'écran tuto. In order to defeat Xehanort, there are allies we must gather, acting now to rouse them from their slumber. We have discussed this before, Sora. Mm. Your Mark of Mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake them. However, the darkness nearly took control of you, and your grasp of your new abilities leaves much to be desired. Oh. Furthermore, Xehanort nearly made you his vessel, and in the process stripped you of most of the power you had gained by then. I suspect you have already noticed this, correct? But first, you must regain all the strength you have lost. Perhaps it is foolish to expect a complete recovery, but it is absolutely vital you perfect one power, the power of waking, which you failed to master during your exam. There's someone who lost his strength and found it again. A true hero to whom you ought to pay a visit. Perhaps he can point you in the right direction. Fool? Got it. You can count on us to take care of Sora. I would have it no other way. I put Sora in your hands. Oh, this is gonna be lots of fun! It's not a vacation. Let's go! Count on us! We supposed to get there now. What? I thought you knew. Looks like all the old highways are closed. Didn't Master Yen Sid say that Sora should trust the guidance his heart gives? Come on, Sora. Which way?
Hey, would you get serious? Give me a break. I'm trying. These things take time. Well, since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there? Well? Sorry, I got nothing. What did you expect? May your heart be your guiding key. Huh? What's that? Master Yin Sid always said that, right before we went off on any of our real important adventures. Really? Ring a bell? Maybe I just imagined it. May my heart be my guiding key. I got it! Right! Olympus Coliseum, here we come! At long last, the time had come. The planets were edging into perfect alignment. And the plan Hades devised 18 years ago was about to reach fruition. The fates had predicted this very future, the day he would seize control of Olympus and rule over all the cosmos. Hades' previous attempts, using Terra, Cloud, and Orin to advance his plans for conquest, had failed. The hour was not yet right. But now the planets were aligned, and nothing could possibly go wrong. A wave of darkness slants down from their celestial rank, and one by one, Hades freed the Titans from their prison. Some of them, the same monstrosities that Sora and his friends had already fought and bested before. With both the Titans and his longing for vengeance against Zeus reinvigorated, Hades began his attack on Olympus. No fanfare? Burp. Nope. Looks like we missed the Colosseum. Sora, you opened the gate. I was a little off again. Sorry. We'll find him. But we need to go. Yeah, up is the usual direction. Well, never hurts to have your head in the clouds. Exactly. Hey, we're leaving. Eh bien, nous voilà arrivés dans un lieu un peu inconnu. Qui semble être faire partie de du Colisée de l'Olympe. Il faut savoir une chose, c'est que il y a un système de... Certes, ça nous a dit qu'on est sur Kingdom Hearts 2.9. Vous allez comprendre pourquoi on est toujours dans 2.9, puisque ça reprend... Là, on s'était arrêté dans Dream Time Distance et donc dans 0.2.
Et donc on va se rapprocher petit à petit de Kingdom Hearts 3, puisque dans l'opening vous avez vu Sora avec à la fin de l'opening vous avez vu Sora, même au début, avec de nouveaux vêtements, mais là elle a toujours ses vêtements de Kingdom Hearts 2. Et donc on va le savoir, donc on est dans ce qu'on appelle toujours Kingdom Hearts 2.9, et on va s'approcher petit à petit, et il faut savoir qu'il y a aussi une aussi la partie sauvegarde automatique, et donc on va continuer au moins jusqu'au prochain point de sauvegarde qui est assez loin, et donc c'est ce premier épisode comme là va être assez long. Donc voici le menu, on peut voir les compétences de tout le monde, monsieur. Le mode critique débloque de nouvelles compétences. On a les classiques pirouette, parade, contre-taille, hein, tous les pouvoirs qu'on a eu, que Sora a eu durant toutes ses aventures, hein. Aussi la roulade, les déplacements, et on a la possibilité de faire 0 XP, mais c'est pas notre objectif. Le scan on l'avait déjà, tout ça on l'avait déjà. Et on a ceci qui est le convertisseur critique. Donc les indicateurs d'attraction vert ne s'affichent plus, mais remplit la jauge continue de remplir la jauge continue de faire apparaître une commande de changement de forme. Mais je vous expliquerai plus tard de quoi il en retourne, ces indicateurs d'attraction, parce que ça fait partie de la nouvelle mécanique de gameplay de Kingdom Hearts 3. Donc je vous avais parlé d'une nouvelle Keyblade. Donc là il nous dit qu'on peut changer de Keyblade, ce sera un peu la nouveauté de ce Kingdom Hearts 3, en switchant. Et donc vous voyez, j'ai cette Keyblade qui s'appelle Lumière Stellaire. J'ai Concentration. Et toujours avec Chaîne Royale, j'ai attraction et le changement de forme est identique pour les deux. Je sais plus où on peut les voir, les compétences, voilà. Je vais juste vérifier. Ok, non, je ne dis pas. Donc vous voyez, on a les tirs visés. Donc mécanique 2. De Dream Drop Distance, Kingdom Hearts Bird by Sleep. Moi je cherche juste un petit truc. En gros les tirs visés sont plus ou moins identiques, une différence près, parce que vous voyez qu'il y a Ranarg du côté de Chaîne Royale et aussi de Lumière Stellaire. Et donc toutes les attaques de Kingdom Hearts 1, hein, Dôme d'Impact, Akinon, Arcane. Ok. Je voulais juste vérifier. Ok, non. Bon, let's go. Ah si, j'ai oublié de mettre mes magies, puisqu'on en a. On peut personnaliser. On va mettre eau sur rond et brasier sur triangle. Et donc voilà nos ennemis. Et donc ça va pas changer de... Donc on peut utiliser la magie soit en allant dans magie, soit via les raccourcis. Mais donc on peut faire ça. Et donc la nouvelle magie, oh. Oula, oula là, ça commence déjà. Hein. Ça commence déjà. Donc vous voyez, en fait, contrairement aux autres modes critiques, notre barre de MP est assez petite. Et donc ça fait très très mal quand on n'a plus de magie. Donc notre barre de MP est assez petite, et c'est tout le temps comme ça en mode critique, et on voit qu'il y a une sauvegarde automatique qui s'est déclenchée, parce que c'est aussi la nouveauté. Kingdom Hearts 3 va beaucoup jouer avec ce système de verticalité, de courir sur les murs et tout, car c'est un peu la petite nouveauté qui va avec le jeu,
Donc vous voyez un peu comment on va se déplacer notre cher ami Sora tout au long du jeu. Et pourquoi je pars, je ne sais pas. Si vous voyez, je suis à 52 MP, donc je crois que, il me semble, dans mes souvenirs, je ne bouge pas en termes de MP ou quoi que ce soit. Mais voilà. Il me semble que niveau MP, ça fait un moment que j'ai pu jouer, mais je crois que je ne bouge plus. Donc là, il n'y a plus rien, donc... Attendez. Je vais juste vérifier. Non, il n'y a plus rien. Mais saute, Sora. Voilà. Poupidoupidoup. On casse un peu, hein, on casse un peu tout. I think we might be going in circles. Did I make a turn at the wrong rock? Hey, Hercules! Where are you? All right, I know I dotted my I's, crossed my T's, zeroed the hero. So what gives? Who could possibly be trying to give me a migraine by yodeling that yutz's name? Really? Hades? It's just you, maybe. It's just us? Even for you, that's cold. Don't forget, I can always turn up the heat! Wait, if Hades is here, then where's her? What is everyone's infatuation with that stone? You know what, never mind. Never mind, I'm cool, I'm good. Because Wonder Boy will be out of my hair soon enough. So you're up to no good again. Of course he is. You bet. Oh, easy. What is this, Sparta? Kind of on a schedule. Don't have time to toss around the old fire and brimstone. The whole cosmos is basically waiting for me to, you know, conquer it. Poor Hades. He thinks he can actually pull it off this time. Where are my titans? Show me your power! That sent him sailing. Sailing right to where I left. Ah, no biggie. Nice work, boys. So, back to the whole cosmic coup thing? Really? Are you kidding? Jeez Louise. Seriously. When it rains, it pours. Okay, who's the new pest?
Hey now, that ain't no way to say hello, especially to your old friends. Ah, perfect. Now I gotta put up with you two. Funny, I don't remember you doing me any memorable favors. So, you can keep your heartless this time. I'm going back to my original plan, all right? So, toodaloo! Exits that away. Hey, it was great seeing ya! Happy trails! We are not here for you. I have my own business to attend to. All I need to know is if there is a distinctive black box somewhere in this world. Black box, huh? Black box, black box, black box. Wait. Don't tell me. You're after the one Zeus hid on Earth? Possibly. If I were, where might it be? Phew. See? Found him. Yeah, I guess this counts. Put me down! Just a second. You guys are here! Sora! Donald! Goofy! You literally dropped in. Gotta say, I'm impressed. Thanks! Like the catch. Yeah, thanks, Herc. But what's going on? Take a guess. Starts with an H. Ah, I get the picture. Actually, we bumped into the H-ster on the way here. He said something about conquering the whole cosmos. All of it, huh? Nice of him to show a little self-restraint. Well, whatever he's planning, I'll send him running back across the Styx. That's our Herc. Ah bah donc voilà, le voilà le petit point de sauvegarde. On a vu Maléfique, Pat, Hadès et Hercule, la petite Mog, et on sait que Maléfique est ici pour une boîte noire. Mais pourquoi elle recherche une boîte noire? Alors qu'est-ce que tu... peut-être qu'on va le découvrir, hein, mais... Qu'est-ce qu'elle a d'aussi important, cette boîte noire? Ah d'accord, j'ai pas assez, hein, de toute façon. L'atelier Mog, hein, depuis Kingdom Hearts 2, enfin même depuis le premier, mais cette fois-ci, c'est un peu spécial. Boutique. Donc, dans la boutique Mog, pensez à venir visiter l'atelier pour utiliser les matériaux de fusion que vous avez récupérés afin de créer de nouveaux objets. Défi de collection. Lorsque vous visitez l'atelier, vous laissez automatiquement les matériaux de fusion que vous avez récupérés au Mog. Vous obtiendrez des récompenses plutôt en fonction des matériaux que vous aurez récupérés. Ok, les matériaux sont stockés, on peut faire de l'éther, on a réalisé un défi, et donc c'est pour ça que je disais que ça allait être très 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 long pour avoir Ultima, puisque regardez tous les défis qu'on va devoir faire, enfin que je vais devoir faire un peu en off, et certains on va le réaliser ensemble, un peu de manière... aléatoire dans le jeu en faisant l'histoire et tout, mais il y a pas mal d'armes qui sont très très longues à débloquer, et regardez où se trouve
Ultima et donc Save the King et Save the Queen plus pour Donald et Dingo. Hein. Donc je vous laisse imaginer combien de temps je vais mettre pour avoir tout ça. J'espère que ce sera très très rapide, mais sauf qu'il y a l'oricalque qui est au bout et ça va être embêtant. Création, qu'est-ce que j'ai? Je peux plus créer que dalle en fait, voilà. Je peux créer que dalle. Non, matériaux, ok. Ok, donc on va faire une petite sauvegarde et là ça va être un peu particulier. Parce que, excusez-moi, parce que dans ce Kingdom Hearts, il n'y a pas 99 save, mais 10. Enfin 9 quoi. Donc c'est assez amusant. Donc vous voyez toutes mes parties, hein. Donc j'ai mis à peu près presque 40 heures de jeu en critique. Parce que derrière, hein, je suis allé chercher Ultima. Hein. Et donc on va laisser quand même un espace. Si je compte. Donc je vais quand même être obligé de faire à partir de la quatrième save, je ne peux pas faire d'espace. Puisque sinon ça voudrait dire qu'il faut que je supprime cette sauvegarde. Quoi qu'il arrive, je pourrais la supprimer. Mais il faudrait que je la convertisse. J'ai la possibilité de convertir cette sauvegarde pour revenir sur ma... là où je m'étais arrêté dans cette partie là. Mais donc je vais pas le faire. On va dire que le troisième slot, c'est les trois premiers slots, c'est mes slots perso, donc pour les bonus, surtout le 2-3, hein. Et donc à partir du 4, ça va être que le let's play. Donc voilà. Ok, ouais, non, c'est bon. Donc, j'espère que ce premier épisode de Kingdom Hearts 3 vous a plu. Je vous retrouve pour le deuxième épisode pour continuer notre exploration dans le monde d'Hercule, l'Olympe. Pas le Colisée de l'Olympe, mais l'Olympe. Un peu plus grand que d'habitude. On va plus se limiter à une arène et à un Colisée. Et le monde des enfers d'Hadès, mais on va aller voir un peu plus large, hein. Donc c'était Tsuzaku d'Argus Phoenix. Portez-vous bien, comme je le dis à la fin de chaque épisode, que votre cœur soit la clé qui vous guide. Dianemina.